Bienvenue à la deuxième partie émission, magazine financier investir, l'avant-dernière émission de l'exercice fiscal 2022-2023. Rideau après le tomber samedi prochain. Bon, on est capable de dire vendredi parce que pas de travail le samedi, la PIA. Donc vendredi, le gouvernement va fermer tout compte d'exercice fiscal 2022-2023. Tout bagaille fermé. Année ça, c'est fini. Et nous allons commencer une nouvelle année le lundi 2 octobre. Une année que pour nous oublier, parce que résultat moins 1,5% de croissance économique. Donc depuis 2018, le pays n'a pas jamais fait bagaille de croissance là, à savoir créer richesse, bas mon travail, réduire la pauvreté et l'extrême pauvreté. Tête en bas de l'eau pendant 5 années consécutives. Taux d'inflation augmenté de manière considérable. Nous rappelons depuis le choc que nous prenons en septembre 2022, qui était allé jusqu'à novembre 2022. Nous avons raté et septembre et octobre. Donc, depuis là, la pression inflationniste était très forte sur l'économie. Hein. Donc, là, fait côté que le gouvernement était monté prix à la pompe et nous avons réagi de manière violente. Donc, nous avons commencé l'exercice fiscal là assez mal comme ça. Et c'est ainsi que je vous dis, mais l'exercice là qui a fini là, les résultats. Yo, bien au rendez-vous, mais au rendez-vous de manière très négative lorsque ou pas fait croissance et ou gain inflation pendant l'année nous foulé la barre de 50% d'inflation. Donc, gon baisse qui fait là pendant les derniers mois, nous passons en bas 40% le mois de juillet et le gouvernement annoncé que le mois de septembre, septembre 2023, taux d'inflation est supposé rapprocher de 30%. Donc, yes, il y a un pile espace pour couvrir toujours. Dans le pays côté que l'inflation, je vous dis, à 5%, il n'y a pas les pays en Europe. Les États-Unis à 4%, il y a augmenté le taux d'intérêt pour ramener autour de 2% pendant que nous-mêmes à 31%. Donc c'est comme si nous apprenons des gens qui sont tombés dans le premier étage du building. Donc, c'est grave. Mais l'on sorti dans le cinquième, le dixième étage, c'est dans ça que nous avons parce que l'on taux d'inflation 5% estime élevé. L'on 6 fois 5%, vous êtes capable de vous aider. Côté des gens qui ont déjà le pouvoir d'achat assez faible déjà, donc c'est détruit que nous avons détruit le pouvoir d'achat en dans l'économie pays. Semaine dernière, nous connaissons que tu as un pile parole qui t'est parlé dans le micro là, ça fait buzz et viral, mais tu es capable de dire sur les réseaux sociaux. Bon, d'habitude dans ça, c'est pas la première fois que bruit a fait à partir de déclarations, d'analyses que nous faisons dans l'émission. Sous pré chaleur, on peut entrer dans la cuisine. Donc, depuis qu'on est en cuisine, ce n'est pas air conditionné cladant, c'est chaleur cladant. Et il faut nous arriver à entrer dans le pays ça vraiment pour nous crever à sérieux, pour que nous soyons capables d'analyser les bagailles de manière scientifique. Émotion, il faut essayer de contrôler le plus possible. Le populisme n'est pas fait seulement du côté de la gauche, il fait également du côté de la droite. Parce que le politicien lui-même, il a besoin qu'on ait. Il prend l'élection, ça la bonne espoir. Et trop souvent même, mensonge. Et ce n'est pas seulement politicien haïtien. Quel des Français, quel des Américains. Lors de l'élection, d'ailleurs, la population remettit dosement il doit. Parce que si vous parlez dans l'élection, vous dites population, bon, vous mettez l'ordre, vous mettez discipline, vous réduire ceci, vous réduire cela. Pas grand monde qui a voté pour nous. Donc, on est presque pour qu'à voter pour vous. Il faut dire, ah, m'bral bon, c'est si, m'bral bon, c'est là, m'bral. Mais ça, il faut mettre quoi? Pas de moyens parce que les ressources sont rares et limitées pendant que le besoin est illimité. Donc, position de la semaine dernière, il y a des gens qui réagissent. Bon, monsieur qui tire pied, joue. Mais nous, tout disons, depuis que nous avons des bagages dans le pays d'Haïti, trop souvent, nous avons pour entrer dans des bagages. Ouais, monsieur, c'est ci, monsieur, c'est là. Bon, ça, monsieur, si nous avons pris le nom, non, c'est pas dans l'Ouest, là, vous avez peur, là. Parce que c'est pas la première fois que nous prenons des positions, qu'elle était sous dollar. L'un dit, mon si ce n'est pas être tout menti, dollar pas foutu égal à 25 gouttes, parce que si c'est le cas, nous mettons parler de toute l'autre bagaille sur l'économie en pays. Il y a des gens qui dit ouais, ou c'est ci, ou c'est là, ou à défendre banque, ou à défendre ceci, ou à défendre cela. Donc, ouais, même nous, là, qui nous baissons à ressort, à répartir encore, parce que il y a des conditions pour bagaille répondre. Et c'est ça qui fait que nous-mêmes, le micro, ça, avantage nous gagne. Nous pas candidats, ni pour Kazek, ni pour Azek, ni pour magistrat, ni pour député, ni pour sénateur. On ne va pas parler des présidents. Donc, nous avons venu là pour analyser la population. On n'est pas obligé de remettre. Et il faut faire un débat. Et pour un acteur
qui finit par parler fort, oui, ceci, cela, et c'est lui qui a baillé mon qui a tel titre, qui n'a pas tel titre, qui sort. Après, qu'on y a l'air pour presser ça, que lui-même lui finit de dire. Après, ou pas mettre en personnalité mon ange, non? Ou dit, mais ça, mais qui résultat pas qu'à atteindre. Bon, on dit, pour le monter, lui-même, tu pourras jouer, oui. Comment le bagarre là, c'est loi dominicain qui l'a tête tout. Donc, qui dominicain, c'est comme si tu as pensé que dominicain peut acheter tout pour une gagne de pays, donc, et tout pour acheter tout, parce que trop souvent, les gens réagissent comme ça. C'est parce que acheter déjà, il est comme si vendre tête plus facile, après, il pensait tout pour acheter, et il pensait que blanc lui-même, bagarre pour l'argent, lui-même, la bonne, il paraît, il a gaspillé l'argent en quelque sorte. Nous pas entrer dans le dossier, ça, on a continué avec des analyses scientifiques. J'en ai dit, c'est pas loi, je suis capable de dire Dominique avec la tête, non, c'est loi, connaissance, savoir, lié tonton. J'ai une génération 2000, là, dit, c'est ça pour nous faire, suspendre la population, mentir, suspendre, nous faisons occuper un poste, nous pas qu'à faire bilan, pas capable de faire résultat, après pour nous jouer, ah, c'est tout le blanc, ça a blanc rété, c'est cela. Bon, ça, vous faites confiance, il n'y a pas aucun impact sur moi. Il y a l'autre qui a venu qui dit comme ça que, ouais, mais qui ça me fait pour le pays, qui développe. Mais je ne pas de rien. Je ne pas pour me demander une poste. C'est pour une élection. Qu'on supporte des redditions des côtes pour dire que côté résultat, oui. C'est pour qui ministre, qui a un job l'État. C'est avec vous, pour modèle. Même si je ne partage pas la avec nous, là, nous voulons exécuter. Très bien, nous ne voulons pas faire tout. Je ne suis pas responsable. Donc, je ne peux pas demander qui ça que me fait pour me changer pays. Fait pour me capable partager, on connaît ça que ça voit avec moi, pas là pour changer pays. Moun qui change pays, c'est moun qui prend responsabilité à toucher comme taxe nous, à toucher comme impôt nous. C'est yo pour nous demander compte. Nous quitter après la dit ouais, ouais non. Bon petit chose mes amis, bien que m'appelle mais ça faut comprendre en quelque sorte. Gen qui voyait le football, il dit ah putain je retourne le football. Bien songe football là vrai, mais football là bagarre c'est chaleur. Ça chaleur ça puis important et puis intéressant. Donc ça ne pas faire trop blague en entrer dans très bagarre sérieux. Nous allons continuer avec analyse nous. Comme ce département ça qui le département qui attire l'attention des Haïtiens tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Semaine ça même au niveau de, à la tribune des Nations Unies. Plusieurs monde parlent de Haïti. Haïti, c'est ton vedette. Mais vedette, là, qui ça? Wagan, là, c'est vedette qui est pour venir dans le pays. Qui est, bon, t'aimes dans le froid. Dans le pays, il vient mettre des troupes sous le pays. C'est vedette côté que M. Abinader qui perd du point. Moi, t'as capable de dire. Parce qu'il faut faire différence entre le hard power et le soft power. Hard power, c'est force militaire, M. Guéen. Nous, qui démonstration qu'elle t'a fait récemment. Prend l'armée, lui, déplacer, lui, mettre sous frontière. On a regardé combien d'hélicoptères, on a regardé combien de véhicules qui ont déplacé, on a une véritable démonstration de force. Tout le monde connaît que Haïti va foutre le bâton avec Dominicain ou Diala. Donc, hard power, ça, M. Guéel. Mais soft power, c'est comment on peut agir le mental pour regarder le sujet à bien et pour capable bien évaluer ce qui a passé. Je pense que Abinader a perdu la bataille. Ça. Non seulement sur le plan international, parce qu'on est des pays qui ont Haïti support, Haïti dégage le tout. Fait que tu places quelques pions là, demander support international sur ce qui a passé sous frontière. Et en dedans, car Abinader nous rappelle une analyse que nous avons fait récemment avec Harold Pierre, un bon connaisseur de la République dominicaine, nous capables de citer un acteur comme Harold, nous capables de citer un acteur comme Yves-Marie Chanel, c'est des gens vraiment qui vivent l'autre bois, qui connaissent comment le pays a fonctionné, et il faut qu'il y ait plus de monde qui comprennent le pays ça, parce qu'on a appelé à vivre avec elle et à comprendre ce qui a passé. Donc, nous avons une force en République dominicaine, nous avons l'Église catholique. L'Église catholique, là, c'est une grosse force en République dominicaine. Nous connaissons un pays Amérique latine et là, ça, c'est un pays très latin, donc c'est espagnol qui est dirigé. L'Église catholique est très, très forte, la religion catholique. Pas prendre position avec Abinader sur ça, l'a fait là. Bon, il y a des messieurs, même c'est l'affaire politique, Léonel Fernandez, pas de discussion, tout connaît que même ce qui est capable de passer par la suite avec, nous sommes capables de dire, extrémiste dominicain parce que le comité 4 ça a tout mais pour des raisons politiques les critiquer monsieur donc Abinader pas mais gagne bataille là aujourd'hui à la soft power c'est disait c'est pas gros pour être écrasé brisé c'est pas capable de mettre une caisse pour dire quoi que ouais monsieur gagne raison Haïti vraiment pas de faire ça faire il y a des problèmes techniques mais monsieur pas gagne raison pour te faire démonstration ça c'est comme si vous pouvez tuer une fourmi après on a le kalachnikov pour tuer une fourmi. Donc
c'est dit qu'il faut que nous comprenions que monsieur allait trop loin, monsieur franchi, on est capable de dire la bonheur, et ça mettait monsieur dans une situation extrêmement difficile. Ceci dit, on garde qu'on y a la zone ça que le nord-est là, qui est un pile politicien, parce que politique n'a pas fait l'autre bois, simplement politique l'a fait là. Tout un pile monde qui prend la parole sur dossier ça, qui a réglé affaire politique. Campagne là ouvert là pour les prochaines élections également en Haïti. C'est pas seulement République dominicaine, je connais qu'il y a fait élection par Ivoire. En mai 2024, l'a fait. Nous-mêmes, nous avons fait pas nous, mais quelqu'un candidat pour acte politique et pour présidence, quel candidat pour, moi, t'es capable de dire, sénateur avec député. En pile, moun dans la zone départementale, eh bien, il a fait ses affaires pour montrer la population, pour bon côté, pour être capable de prendre position sur lui. Donc, Nikens voulait pour nous, nous pouvons le garder, nous pouvons le faire un coup de pied dans nord-est là, pour nous bien comprendre ce qui a passé. Et ça permet de nous commencer avec le plan stratégique de développement d'Haïti. Côté que, en 2010, après tremblement de terre, Haïti était prêt à découvrir que le mal fondé des pays. Donc, nous, dans le développement, nous prenons montrer tout débat qu'a fait là, toute discussion qu'a réalisé, comment l'a fait et comment pour nous prendre au sérieux. Si quand on parle en ouvert, comme moi, je dis, candidat, même pour mettre information qui pour permettre qu'on puisse mieux comprendre ce qui a passé. Donc, ça suppose remonter à 2010 après tremblement de terre. Côté que le gouvernement haïtien avec international là, tu peux mettre plan ça, le plan stratégique de développement d'Haïti, faire d'Haïti un pays émergent en 2030. Donc nous pouvons regarder qui ça te prend. Donc, résumé en 10 questions. Pour qui ça un plan stratégique de développement d'Haïti? Qui vision que nous avons pour le pays? Qui stratégie de développement que nous avons pour le pays? Sous qui choix fondamentaux que vos fondations ça été reposer? Quatre chantiers que tu as choisi. Le premier chantier, c'est chantier de refondation territoriale. Parce que pour qui ça n'a pas parlé de tremblement de terre jusqu'à journée aujourd'hui, parce que tu as frappé que le pays. Organe vraiment qui sensible ça. Si tremblement de terre est arrivé Mol Saint-Nicolas, il est arrivé Chadonnier, nous ne même parler de lui parce que pas de gain assez de monde pour le tuer. Pas de 200 000 personnes d'un côté ça. Et ensuite, pas t'as gagné assez bien que t'as perdu parce qu'on rappelle le tremblement de terre 2010 là que t'es frappé que économie pays à zone métropolitaine qui descend qui peut aller toutes les zones Léogane, toutes zones ça que t'es choqué en pile là, et bien c'est là que nous placer presque toute richesse pays. Qui sa deuxième fondation qui est fondation économique là, qui sa troisième fondation qui est fondation sociale là, et quatrième qui est fondation institutionnelle là. Et comment vous capable de réussir un projet de refondation aussi important? Vous voyez ce qui va me remonter pour me capable atterrir dans le département nord-est. C'est là que attention, focus, concentré, semaine ça, l'ont affaire de canal, alors que bagala beaucoup plus large. Il faut réfléchir de manière beaucoup plus globale. Sur un automobile ou un véhicule, dans pile pièce dans le moteur, et en dehors de moteur, il y a d'autres pièces qui connectent à moteur de manière indirecte. Troisième slide que nous allons mettre là. Nous allons résumer pour nous, regardez pour nous le graphique ça, donc moun qui pas regarder la télévision là c'est dommage, mais si nous voulons regarder sur YouTube faire Profin TV n'a capable ça n'a montrer là. Donc ça c'est schéma que t'es fait après tremblement de terre nous sort dans côté Port-au-Prince hier. Donc pas raconter que dit en ouvert pays a parce que Port-au-Prince trop concentré. Le cadre fondation était divisé pays a en quatre régions. Il y a la région Grand Nord, le département du Nord-Ouest, le département du Nord et le département qui intéresse Nkouniala, le département du Nord-Est. Ensuite, tu prends une deuxième région qui est la région transversale, composée des départements de l'Antibonite et du Centre. Et tu prends une troisième région, le département de l'Ouest, qui est séparé Sud-Est en deux parties. Je vais mettre la région Ouest là, partie dans le Sud-Est là, qui allait vers frontière là. Et l'autre partie a été connectée avec la région Sud, qui était pour gagner le département du Sud, le département des NIP et le département de la Grandance. Donc voilà la réflexion que tu as faite. Et nous avons une bonne flèche. Regardez pour en vert. Vous pouvez regarder
après Port-au-Prince là monter en l'air regarder cap haïtien envers et on va descendre au Caï qui parle envers tout. Donc ça c'était pour les grands pôles, les grands centres de développement que tu as programmé pour mettre en place. Mais nous parlons de bonne autre flèche rouge dans l'écran côté que mais qui ça t'a gagné comme intention, comment pour repartir pays à reconnecter pays à, que ce soit en route, que ce soit en l'air et même par la mer, pour nous être capable d'arriver à faire développement, pour nous avancer avec pays ça. Donc l'un de ces gars là, nous après choc 2010 là, mais qui vision, mais qui ça t'a gagné, mais ça t'a relé en refonder pays à territorialement. On ne pas concentrer toute bagaille dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince là. Donc on prend prochain slide là, ça va le monter nous. Résumé pour nous, la vision à long terme, nous sommes en 2012 parce que après tremblement de terre, nous avons à peu près 2 ans pour nous mettre ça en place. Je dis on fait une vision pour nous projeter pays à pour 2030 et les chantiers de relèvement et de développement d'Haïti. Donc nous avons 4 fondations, bien chita là, territorial, économique, social et institutionnel. Et en bal, nous parlons ce qu'on appelle les PTI, à savoir des plans triennaux d'investissement. Donc chaque 3 ans, donc, parce qu'on a un budget programme, chaque 3 ans, on était supposé faire des plans pour regarder comment on peut évoluer jusqu'à ce qu'on arrive à 2030. Est-ce qu'on fait 2 PTI? Je ne sais pas. Si on fait 2, on ne fait 3. Donc nous voyons que nous avons un bel plan, nous, belle vision, nous, mais est-ce qu'on est capable d'exécuter son lot de bagages que lié? Alors nous voyons que nous commençons en 2010 et pour nous arriver en 2020, pour porter la 2023, pour nous voir mais qui engagement, mais qui côté nous voulons à la pays. Projeter c'est une plan c'est une kounya est-ce que nous va l'exécuter le faire implémentation ça rentre dans même logique que n'a parlé paquet de bruit qu'a fait soit fait canal et sous qui ça nous réaliser en dans pays et au lieu que moun qui était sous pouvoir te gagne job dans pouvoir vini c'est une occasion que ministre te gagne pour te venir te dit bon même l'aime te en dans ministère mais ça me te gagne comme plan d'infrastructure moins mais ça que me te gagne comme plan au niveau glo moins mais ça me te gagne comme plan communication moins mais c'est plan de gagne. Mais je ne vais pas faire parce que je ne vais pas faire tel bagaille. Mais monsieur n'a pas jugé ça bien. Il tout simplement dit ah, mon cher, c'est un cap de tête libre. Il n'y a pas un rien qui sorti. Et c'est la faiblesse que nous avons. Il faut montrer à Haïtiens, il faut nous chita pour nous faire développement et non quitter des politiciens, des gens qui ne pas fin comprendre le bagaille, pour monter et pour avancer avec. C'est courage ça pour nous capable faire face à eux-mêmes, pour nous avancer sinon. Prenant populiste qu'il saute à gauche, qu'il tombe à droite, on aura les mêmes résultats. Parler, mettre, bagay à terre et en discuter. Et c'est wall moun qui mette yo, qui paye yo, pour capable de bailler résultats. On avance à la prochaine slide là. Pour nous entrer exactement, nous sommes en 2012. Gagné présentation ça qui était faite en 2012 pour te montrer mes situations pays d'Haïti. Pas oublier, non, c'est le nord-est, nous pas l'atterri là, mais nous avons besoin global pour l'atterri local. Donc, nous parlons là, un schéma qui était fait par le ministère du Plan, et je crois avec la Banque mondiale, qui était pour le montrer, nous, mais comment la situation était en 2012. Nous parlons exactement que le département du Nord-Est, 44% de notre département, ça, côté que n'a pas les jours d'hier là, en situation d'extrême pauvreté. En 2012, sous chaque 100 personnes qui habitent dans le département Nord-Est, 44 pas de gagner 1 dollar américain en poche. Et pendant plusieurs jours, pendant des mois, pendant des années, ce département qui a plus de situation d'extrême pauvreté. Ce n'est pas un chiffre, mais oui. C'est un chiffre qui sortit de côté officiel. Nord-Ouest, là, tu es à 43%. La Grande-Est était avec 37%, le Nord avec 36%, le Centre 34%, l'Artibonite 22%, et nous pouvons descendre dans le Sud, là, Sud-Sud-Est 25%, et NIP 30%, et l'Ouest là était à 9%. Donc ça c'était situation extrême pauvreté à retenu pour nous, ça a passé dans la zone Nord-Est, là, côté que Wana Métier. Qui a fait tout débat et discussion qu'il y a. Ça, c'est une photographie que tu prends en 2012. Si tu prends la même photographie, ça, aujourd'hui, il y a plus mal, ça n'a pas vivre aujourd'hui dans le pays. On prend le prochain slide là, qui va montrer une situation de pauvreté modérée.
nord-ouest là numéro 1 mais nous pral ouais automatiquement après pral gagner grandance et encore le nord-est. Donc il y a un département qui pipe avant dans pays qui a plus problème et on peut comprendre pour qui ça que mon pas diable il y a bataille là au besoin ressources pour ka au moins améliorer conditions de vie. Les données sont là et nous sommes en 2012 s'il vous plaît. Donc pral gagner monde qui pral prendre pouvoir après ça qui pral vinn sous pouvoir et là me dit m'pa garder président simplement faut regarder également les élus locaux. Nous faut poser questionner également les députés les sénateurs gain k'ap fait bruit actuellement dans nord-est là yo même yo prend pouvoir et est-ce que situation améliorée c'est les questions à se poser et à se demander c'est comme ça pour demander compte là c'est monde pour demander compte. Prochain slide là pral montrer nous mais nord-est là comme nous avons dit dans Diaza, même maman Pemba, mais ça qui nous dès là que qui en pile parole, en pile qu'a fait là. N'après Wanamet n'est pas vrai. Wanamet n'est pas la capitale du Nord-Ouest, c'est Fort Liberté capitale Nord-Ouest là. Mais c'est la capitale politique Fort Liberté. Wanamet c'est la capitale économique. Donc nous comment le coller avec d'abord sous frontière par l'autre bois. Donc faut que nous même nous commençons à comprendre et tout élément ça. La semaine prochaine d'ailleurs, je vais montrer nous paquet de bonnes ressources qui connectent et qui a fait tout dossier ça par en bas parce que nous focus sur Tidal et Amdarele alors que il y a de gros intérêts des ressources matérielles des ressources et pardon minières qui là qui Dominique a exploité bon là qu'il faut beaucoup exploiter donc faut ne pas garder là comme si aussi simple parce que on pas comprendre que Balaguer Abinader bon un peu le monde d'accord dit font lapsus esprit me fait non et il semble Balaguer en certain sens vraiment mais il y a des gros intérêts qu'a fait là il faut jouer gros à tout faut ne pas rester là à chercher des petits amusements distractions pour ne pas garder big picture j'ai mon table dire là. Donc mais on a met qui là une balle on a met c'est commune qui plus peuplée en département c'est là que pour parler de Maribaoua plein ça qui a bien pile parler donc nous t'avons appris même on a met ça pour nous comprendre que les quatre fondations que nous parlons au niveau national là nous avons produit au niveau départemental là il faut avoir un plan de départemental de développement ça fondamental pour nous réaliser légalement donc comment nous allons dire fait le nord de Wanamet excusez-moi le nord du département et le sud du département pour nous regrouper une série de communes pour nous capable faire ce qu'on appelle l'intercommunalité les bon que Fort Liberté nous elle très calme ni pipiti gen mon activité on a mettre lui même son bail qui a bouilli en quelque sorte l'activité économique d'elle coller frontières donc un paquet de bagages pour t'ab garder là-dedans donc gen moun k'ap parler là tout qui va même qui quantité moun gande dans commune en dans département qui par contre ça k'ap passe dans département mais a fait gros débat a discuter on va c'est une bras cela pour nous font débat mes amis font font diagnostic font gen données font parler et c'est ça que ministre te gen ex ministre te gen chance pour le faire mais au lieu de venir pour ta là il école pour ta tout préparer me pas contre si ça le pour le faire mais il venir ah oui c'est comment les lois dominicaines non c'est loi connaissance c'est le savoir c'est loi du partage loi pour suspendre bluffer population pour population connaît réellement qui gros intérêt ça gen et mettez monde qui capable réellement capable comprendre le dossier parce que le dossier est complexe. Nous pas prendre des dossiers complexes après la guerre des esprits simplistes. Des gens qui ont réfléchi à un seul degré. Y égale à F de X, alors que gen N variables en équation sont matrices que nous avons résolues là. Ce n'est pas seulement gloa, gen agriculture, mais gen également industrie, gen service, gen tout élément ça. C'est territoire pour nous. Il faut faire une fondation territoriale, il faut faire une fondation économique, une fondation sociale, une fondation institutionnelle. Et débat pas supposé concentrer sur pire niveau, parce que grand pile monde qui prend ou libre sur affaire de président Moïse, alors que les malheurs t'a mouri pour côté en haut, parce que aucun monde ça cap pé décaler l'estomac, que c'est pire Moïse parce que personne jodi a, il mouri pour côté. Il y a pas même connel, c'est découvrir le gounia là, il a prend l'esprit, il a fait n'importe qui parole qu'il a dedans. Faut nous même caler jeune tout pour ne pas quitter monde une peu sur des dossiers qui beaucoup plus importants. Au développement il y a le bien passé nous. Qui était dans ça là. Donc il faut que je dise
nous pas quitter moun au nom de monsieur a fait dit n'importe qui parole et pas poser des problèmes sérieux pas même qu'on t'a capable dit qui quantité de l'eau qui quantité et kilomètre route qui quantité kilomètre et n'a pas dit kilomètre électricité pas vrai kilowatt électricité bon les guider bonne ça a été fait une blague son leader politique sur ça donc en ce sens il faut que les données sous pas gain données pas capable les bail sérieux et au gain la gain données faut qu'à transformer données en information parce qu'on donnait pas obligatoirement en information information va supposer bon connaissance connaissance là pour permettre qu'on ait meilleur aperçu parce que ça au besoin c'est prendre de bonnes décisions parce que c'est le département l'un des départements les plus pauvres du pays les pauvres en quelque sorte donc tout débat ça cap fait depuis 2012 là avec plan ça pour qui ça que département ça va profiter grand chose on avance. Prochain stade là pour le montrer une qui ça il va le montrer nous tout ça qu'a parlé là mon cap défendre gounia là qui besoin défendre wana met qui défendre nord-est on prend exactement projet d'investissement public yo en dans département et nous prend son période qui assez longue nous pas faire trop courte donc c'est ça pour le permettre qu'on capable comprendre ça qu'a privé là. Donc, nous prenons l'exercice fiscal, ça. Même si on doit remonter sur 3-4 dernières années, sur 5 dernières années, sur 10 ans qui passé, nous parlons de tout le monde qui a peut dire ouais, on a défendu ceci, on a défendu cela. Mais nous avons le pouvoir. Et, je vais parler de députés sénateurs qui sont en Odès, qui a fait bruit tout. Mais côté de nous, on voit combien de cobs que vous mettez dans le budget d'investissement public. Pour le département du Nord-Est, 561 millions goudes. 561 millions goudes. On va parler d'un milliard de goudes. Fort Liberté, 8,76. Vallière, 7,2. Perche, 6,8. Wanamet, 154 millions. Avec tout l'autre projet, 384 millions. Qui ça? Ça a représenté pour une zone qui a plus que 400 000 personnes et nous besoin fait des travaux d'infrastructure d'importance. 561 millions goudes. En descend. Qui projet fait la Folie Liberté? Construction bureau d'administration de la première section du MA, la Folie Liberté. 8 millions goudes. On continue, faut liberté pas oublier ses chefs-lieux. Wanamet, deuxième ville là, ça son projet HCR Wanamet, nous croyons que le Brésil supportait pour 154 millions de goudes. Donc nous, ouais, que tout le bruit qu'a fait là, pas un goud qui pourrait aller dans l'affaire qui était pour aller canal. Il m'a parlé de budget, n'est-ce pas? Même si on a remonté chaque année, on a le bon chiffre, on a pour eux. On a compris, lorsque on a fait bouillir, pas de planification, pas de recherche qui était faite pour te soutenir. Prochain slide. Vallière. Vallière, en construction, un centre de santé sans lit, dans trois palmistes, dans la section communale, 7 millions de gouttes. Prochain. Perche. Construction de centre de santé à Perche, 6 millions de gouttes. Communes, nous avons ça là-dedans. Et qu'on y a, mais reste pour générer les autres là. Réhabilitation, carrefour. Bon, ça va être chargé. Parce qu'il faut me dire, nous prenons un document texto. Donc ça n'a pas supposé l'empathie nord-est là. Et ce n'est pas document. Quoi ça, c'est un document que nous prenons dans le budget. Donc ça, c'est un héros fait monumental qui sortit. Code de fer, ensuite, là, quand même, que vous mettez écrit là. Donc 50 millions de gouttes, ça n'est pas pour zone vraiment. MICT, nous allons gagner et au niveau des fonds locaux d'aménagement et de développement, ça a les fonds communaux parfois 36 millions de gouttes. Ensuite, nous allons gagner une école qui a construit et construction de 5 écoles pardon, dans le Nord-Est à 219 millions de gouttes. Après, nous allons gagner santé et un dispensaire qui a fait dans la section communale 3 millions de gouttes. Donc, qui a tout l'autre compte, 384 millions de gouttes. Ça me prend une année bien spécifique. Même dans nous apprend, je vais le montrer nous tous, sur 5 années. C'est presque le même chiffre qu'on peut retrouver. Donc, qui développement que tu es capable de faire dans Nord-Est après pour des gens qui viennent parler fort, ouais, de faire ceci, de faire cela. Chiffre, pas de menti, d'ailleurs, chiffre, montrer. Number stock. Chiffre, parler. Après tout, nous connaissons qui ça au bail. Là, nous prenons un graphique ça pour nous montrer. Nous. Pendant que mon ap dit, faut faire ceci, faut faire cela, ou te faire ceci, ou faire cela, on garde la répartition qui fait dans le budget. Soit tu as l'âme d'expliquer nous, si nous prenons 2 milliards de dollars américains, nous baillons chaque haïtien, même quantité d'argent, chaque haïtien a retrouvé à peine avec 25 000 goudes.
Maintenant, ça n'a pas aussi simple. Bon côté du département de l'Ouest, puisque c'est l'axe central, là. Mais dans la pleine, nous disons approfondir dans vision, nous sommes en 2023, 13 ans, soit 11 ans après la mise en exécution du plan stratégique, côté nous disons pas refonder territorial, nous pas refonder économique, mais tableau ça va le montrer, nous pas faut qu'une refondation. Au contraire, nous continuons à vivre même genre, même concentration. Donc côté député, sénateur, département ça, qui jodi a cap mené population, côté hôtelier pour quitter que bon répétition année après année de même grappe d'ala qui pral tomber dans main département. Donc si nous prenons budget année ça, les 267,5 milliards de gouttes, nous divisons le ministère a estimé à peu près 10,9 millions d'habitants. Si on bat chaque habitant, même quantité d'argent, des bonnes chiffres à l'heure là, chaque habitant a pu trouver avec 24 515 gouttes, qui est inférieur à 25 000 gouttes. Mais attention, le budget est annuel, pas retourner le mois de novembre pour nous chercher 24 000 gouttes là, c'est l'année prochaine pour nous retourner encore pour nous gagner 24 000 gouttes là. Mais, chiffre là, trompeur. Pour qui ça? Pour la simple et bonne raison, si vous vivez dans le département de l'Ouest là, ou pas le même traitement, si vous vivez dans le département nord-est là, puisque c'est le département qui sous projecteur qu'on y a là. Donc le département de l'Ouest, nous-mêmes qui vivons, le nombre d'habitants qui est estimé à 4 millions de personnes, nous recevons par habitant 47 915 gouttes de rente. Le fait que nous vivons dans le département l'Ouest là. Mais soit vu le département nord-est là, descendre pour nous, dans le graphique, dans le tableau, on a pour elle, nord, sud, centre, Atibonit, Grandes, Nip, nord-est, nous venons. Attendez bien. Où mon cap vivre dans le département ça, il y a 1430 gouttes. 1430 gouttes per capita. Donc nous, pas grand, il y a des programmes là, pour ça, nous n'avons pas brûlé des canals, même si sont qui vêtent, nous tapons là-dedans. Donc nous, on a battu nos menti. Et chiffre ça, c'est pas bon, ça. Non, si nous faisons une moyenne pendant 10 dernières années, pas gagné 2000 gouttes, nous qui entrons dans l'Ouest là. Mais côté député, sénateur qui a parlé fort dans l'Ouest là, je vous dis, on n'a pas qu'à faire ceci, on n'a pas qu'à faire cela. Mais là, on est dans la chambre de Toubaï, ça, on est là, oui. Donc c'est ça qui fait que les gens ont réagi comme ça, c'est fatigué, ni avec Dominique, ça a 20 sous fatigué parce que même nous-mêmes, nous ne pouvons pas prendre disposition pour que nous soyons capables d'arriver, mettre sous toute berge là des possibilités pour exploiter de l'eau parce qu'on n'a pas faire la 1430 gouttes. Si vous faites des investissements sérieux sous Rivière Massacre là, vous avez 2000, vous avez 3000, vous avez 4000 gouttes et qui te prennent balle l'argent en quelque sorte. Mais ça a vrai débat. On avance. Là, nous parlons des résultats. Nous rappelons dit que Nord-Est, là, en 2012, comment situation financière était. Nous rappelons nous dit comment situation pauvreté avec extrême pauvreté. Eh bien, nous pouvons donner financières, données bancaires, pour nous voir qui s'est passé dans Nord-Est. Là. Parce que côté qui a plus de dépôts, c'est côté qui a plus de travail, et travail qui paye bien. Côté que mon non seulement comme les touché, il est capable de manger, dormir, boire avec elle, et salarié, il est épargné. C'est ça qui peut permettre qu'on soit capable de voir également niveau mon département. Le département de l'Ouest, là, je vous dis, là, les banques sont fermées là, vers 4 heures, ou bien je vous dis à samedi 2 heures. Si vous collectez 100 gouttes dans le système bancaire haïtien, il y a 82 gouttes 20 qui étaient dans le département de l'Ouest, là, pour m'badi dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Parce que dans la 8e section communale Tigouave, il n'y a pas de banque. Sous frontière haïtienne, il n'y a pas de banque. Donc, la banque est concentrée. Donc, on a compris si nous faisons une liaison, je ne sais pas si c'est une corrélation, si nous gardons combien de gouttes dans le budget qui était Port-au-Prince per capita, 47 000 gouttes, et nous voyons qui résulte dans le dépôt bancaire, 82 gouttes 20. Sous 100 gouttes, nous connectons aujourd'hui, la journée aujourd'hui, nous-mêmes dans Port-au-Prince, nous avons 82 gouttes 20. Département Noa pour Alkembe à peu près un 5 gouttes passé. Donc si additionne le 82 plus 5, on presque égal à 87-88 gouttes. Pour Algon 3 gouttes 90 qui prend dans la Tibonite là, 87 plus 4 ça bon 91. Pour Algon 3 gouttes qui prend aller le département sud là. Donc on est déjà près de 94 gouttes sur 100 gouttes. C'est 4 départements côté que plus concentré richesse et si on regarde le budget, c'est là ne fait plus projet d'investissement public. Donc, pour arrêter un 5 à 6 gouttes pour tout l'autre département, on fait un coup d'œil, ça qui passe dans Nord-Est là.
jodi a la les fermer toute banque yo, eh bien dans nord est là, département nord est là, sous 100 gouttes là, yo pas font goutte, il fait 70 centimes. 70 centimes. Chiffre parlé. Il faut que les bluffeurs politiciens dans le pays d'Haïti suspendent ba moun menti. Et ça, c'est résultat de choix politiques, de choix budgétaires, de comment nous faire projet et comment nous séparer. Et comme dit politicien, mettez autorité locale, mettez les autorités qui, les députés, les sénateurs, parce que le budget n'a pas oublié ça. Le gouvernement n'a pas fait budget. Il y a un projet de loi. C'est le Parlement qui va ratifier. Donc, côté député et sénateur, dans nos dossiers, parce que nous avons répété le graphique ça pour nous. Bon, bah, répétez-le. 13 ans que nous faisons mes finances, chaque année nous mettons ça. Oui. Chaque année, il ne va jamais changer. Et là, nous avons des budgets, c'est le même bagaille. Donc, pour ça, nous dit que nous allons faire, et oui, nous allons faire une fondation territoriale, nous allons faire une fondation économique, une fondation sociale, institutionnelle. Jazz la marché, même musique là, même son. Donc, l'en répéter, je dis à nous comprendre ça qui arrive, les mouns fatigués, ils disent que même pas au canal, ils ont besoin de l'eau pour être capable de faire manger parce que l'autorité moun qui était payé pour faire travail là, les ministres également, qui ne parlent pas, c'est même bagarre à la côté de l'eau, même résultat. Next slide. Kounia, on nous garde, parce que là, pour tout ministre qui était passé pendant le régime Jovenel là, il y a des secteurs bien déterminés, oui. On garde des projets d'investissement public. Passons une année, non? On prend le sou depuis 17-18 jusqu'à 2022-2023 et tout parler qu'a fait. Chiffre parler, mes amis. On garde en 2018 536,8 millions de gouttes d'investissement en dans le département nord-est, là, à toute commune qui est dans le département. Ça. En 18-19, 754 millions de gouttes. En 19-20, exercice fiscal, 641,5 millions de gouttes. 2021, qui prend le dernier exercice fiscal, parce que nous rappelons M. Moïse Mouri en 2021, côté tu prends 1,2 milliard, tu es réussi franchi là-bas de 1,2 milliard de gouttes. Pour la première fois pendant 5 dernières années. Après, il rebaissé à 542 millions et il était en bas 1 milliard là à 561 millions. Donc, si je fais au moyenne pendant 6 dernières années, ça, le département du Nord-Est recevoir en moyenne investissement de 710 millions de gouttes. Il paraît un peu loin. On met dans le dollar américain. 5,3 millions de dollars américains par année pour 400 000 personnes. Donc, on pense qu'on a fait l'école, on a fait santé, on a fait sécurité, on a fait canal. Donc, mais résultat, yo. Donc, ce n'est pas le monde qui joue, prend donner Vinchita et en fond débat scientifique. Et chaque fois que ça arrive, c'est pour nous capables de profiter de yo, pour nous mettre chiffres, mettre données, montrer exactement que nous avons battu nos mentis, vision que nous mettons pays émergent, nous ne pouvons pas faire ceci, nous ne pouvons pas faire cela, nous ne pouvons pas refonder. Mais voilà ce qui a été réalisé pendant cette période 2017-2010 à 2022-2023. Comme aurait dit le président, suivez mon regard. On descend. Parce que si vous avez besoin de relancer l'agriculture, et pas de l'eau qui a fait le bout simplement, non? Si je fais un caoutchouc, je ne machine, non? Même si nous avons 4. Donc, on regarde les allocations budgétaires qui fait dans le ministère de l'Agriculture, des ressources naturelles et du développement rural. Ministère supposé occuper en partie de parole, ça a curé les canals et pour nous faire de l'eau circulaire. Nous allons regarder le ministère. Ministère de l'Agriculture, regardez l'investissement. Mais l'investissement, ça, ce n'est pas pour seulement le département, non? C'est pour tout le pays. Donc, en moyenne, au niveau de ce ministère, nous gagnons des investissements de seulement 6,2 milliards de gouttes. 6,2 milliards de gouttes. Ma souligne est pour nous que subvention EDH a dépassé 8 milliards de gouttes. Donc, ça, c'est un problème. Tout. Les gens veulent garder. Tout problème, yo, après, nous pensons être capables de joindre beurre et l'argent beurre. Donc, si je ne mettais 6,2 milliards de gouttes, ça t'a supposé à l'un département et c'est pour tous les départements du pays. Parce que c'est allocation budgétaire de 10 départements. Donc, na, si nous regardons pas nos destins, nous ne comprenons pas quelque chose là-dedans. 6,2 milliards de gouttes en moyenne
que nous mettons dans le ministère pour des investissements pendant que nous avons battu Gagagno, ou oui, nous besoin de relancer la production agricole, ou oui, nous besoin comme si fait pays n'a pas importé encore. Mais faites là, mais donnez 6,2 milliards de gouttes qu'on mettait pour l'ensemble du pays dans l'agriculture. Et on prend qu'on y a ministère qui a fait parler en pile là, on prend ministère de la République. Parce qu'on n'est pas capable de faire. On n'est pas capable de dire qu'on a fait toute l'infrastructure, ça ne peut pas entrer là-dedans. Non? Et regardez le ministère de la République, l'on fait moyenne pour l'ensemble du pays, investissement 23,8 milliards de gouttes. Ça n'a payé année ça, le service dette nous, dépassé le montant annuel investissement que fait l'infrastructure. Donc là, on fait des autres au niveau de l'argent que nous prêtons. Après qu'on y en a payé plus que 30 milliards de gouttes de service de la dette, pendant que on n'est pas même capable de mettre 25 milliards de gouttes dans les infrastructures, de quoi parle t on qu'on pourra relancer l'agriculture, ou pas ceci, ou pas cela. Donc voilà les faits, voilà les chiffres. C'est l'occasion ça que M. Ktab dit que l'a fait ceci, l'a fait cela, pour te venir, pour te montrer mes sacs réalisés, mes chiffres, mes données. Qui plan stratégique qui gagne en deux ministères pour relancer l'agriculture? Parce que ou pas qu'à faire agriculture si on pas des pistes de route secondaire, ou pas qu'à faire agriculture si on pas garder énergie, ou pas qu'à faire agriculture si on pas garder tout aspect, ça n'est pas capable de mouvement qu'a réalisé dans le capital humain, il faut gagner aux ressources humaines qualifiées. Donc, si vous ne faites pas ça, mes amis, il faut que la loi qui monte dans la tête, nous, pour ne pas peuple à mentir tout le temps, il faut être capable de retirer. Et il n'a pas parlé de l'eau, il n'a pas parlé de nécessité pour un canal, parce que nous allons mettre dans le sport. Dominique Gagné a mené 11-0 sur nous, il a fait canal, ça a fait le 8e massacre. 11, il a dit prise que le gagne. Donc, quand il y a un petit goal, bon, Abinader Pété, quand il demande pour l'envoi. Il a dit, pas mal l'envoi, pas d'accord. Il bloque le match là. Mais mes amis, ce n'est pas un canal nous besoin, non? C'est des canaux nous besoin. Oui. Mais pour nous faire des canaux, mes amis, il faut que nous ne pas quitter pour le diable. C'est mon qui était pour que tu la font. Il faut que nous ayons fonds qui investissent, il faut que ça qui passe, il faut que comment faire lui-même et nous-mêmes, ça ne peut pas le faire. Nous avons besoin dans les 5 prochaines années, au moins 5 à 6 canaux pour être capables de relancer l'agriculture. Nous ne sommes pas capables, monsieur, de faire 3000 hectares avec ça, mon a fait là, pour diable. Et même moi, je prends le risque, je dis, mon a fait une feuille pour ça. Et pour que je fasse, parce que son bail national lié. Mais après 3 ans, ça peut pas le passer. Mon a parlé de quoi que nous, tout est fait, après pas l'agriculture, on va soutenir la bataille. Il faut que nous encadrions, il faut que nous mettions comme dans le budget. Ils ont montré une volonté, ils ont montré ça vous voulez faire. Mais son projet national pour lui. Il faut mettre cob là-dedans. Oui, il y a un million de gouttes qui sortent, Gonaïf. Bat bravo, compliment. C'est un bail émotionnel que lui. Mais un million de gouttes, pas mené bataille. D'ailleurs, c'est un projet de 37 milliards de pesos, monsieur Bral, ajoute un barrage sous tête là. Il y a un col là, globalement, il y a un territoire dans l'Union. Il faut faire un canal, il y a un bloc à venir, non? Fait bagarre la piscine sérieux mes amis, chita pour nous discuter. Ah bien pas qu'à attaquer aucun monde. D'ailleurs s'il attaque Haïti là, l'a craser touriste la caille. S'il attaque Haïti là, l'a plaguer toute qualité mauvaise image la caille. L'attaque Haïti là, l'a problème sur marché travail li, pour la construction, pour l'agriculture. C'est pas qu'elle me dit que ah peut-être ça non, il faut que nous très au sérieux pour avancer et pour que nous font plan sérieux pour que nous capables bénéficier de lui-même. Mes réponses que me bail même pas mal monter pour me dire monsieur vente tête li et c'est Gébaye Dominicain, mais acheté pas Dominicain. Pas de monde qui achète, pas de monde qui achète, et Dominicain par un écrit tout pour la chape gaspillé. On fait un débat sérieux. Ou bon espace là, vous montez dans la télévision, vini montrer mes soffets, vini avec données, vini avec chiffres, qui sac budget, qui retraite rien, et comment on capable d'avancer. Mais ça que pays a mandé. On sorti avec loi dominicaine, on met en loi connaissance et savoir, on forme la population nous, pour nous relancer pas seulement l'agriculture, mais l'économie haïtienne et bah une réalité. Bon là, mes vieux frères, pas de problème avec vous. Je vous dis à nous développer, mais comment pour développer en fait, et c'est ça que nous allons aller. Nous faire politique, mais nous faire politique la plus sérieuse. Nous proposons d'attendre quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission.